45 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte et cette fois-ci on se retrouve sur du Lorcana chapitre 1 et je serai en compagnie de... Mister B-Boy et effectivement Lorcana chapitre 1, display très difficilement trouvable et d'autant plus que c'est des displays que vous ne verrez quasi plus. Pourquoi ? Parce que c'est du Lorcana chapitre 1 first print, c'est la toute première impression et dans le first print il y a énormément de cartes buggées. Voilà pourquoi la réimpression est déjà en cours du 7-1, elle va paraître en décembre dans les boutiques spécialisées, n'hésitez pas à aller checker Yamanote Shop. Et la réimpression ne contiendra plus les cartes buggées. A savoir qu'en plus de cela, ils ont rajouté un petit scotch sur les côtés que là, il n'y a pas. Et c'est comme ça qu'on peut voir quelle est la première impression ou pas. Donc là, on va rechercher les cartes buggées comme Stitch, légendaire qui vaut très très cher. Et évidemment, une enchantée, ça serait top, exceptionnel, hein. ma petite Sophie, je te le dis. Allez, on est parti pour ce chapitre 1. Je rappelle qu'il y avait effectivement 3 illustrations. Il y avait donc, de gauche à droite, Mickey, Elsa, Maléfique. Mickey, Elsa et Maléfique. Le display se présente comme ceci. Il y a 24 boosters. C'est pas du tout comme Pokémon. C'est Ravensburger. C'est plus comme Bandai, c'est-à-dire One Piece, Dragon Ball. Il y a donc 24 boosters de 12 cartes. Et on est parti, Sophie. Hein. On veut de la dinguerie. Allez, hein. Allez hein, une enchantée. Tu me fais rêver. N'oubliez pas que nous sommes au mois de décembre et qu'il y a à gagner. Il y a quoi, Sophie, à gagner? Une petite lettre mystère. Une enveloppe mystère, évidemment, à ouvrir à Noël. Un j'aime, un commentaire. Et vous aurez les résultats dans la prochaine vidéo qui sera normalement évolution à Paldea, le reste des duo pack. Donc, catastrophique le début. N'hésitez pas, mais ne spoil pas. Oh là là, toi, t'es une spoileuse, toi. Bah non, puisque là, les gens qui regardent cette vidéo ont déjà vu la Paldea. Non, ils ont vu la évolution céleste, puisque la prochaine, c'est la Paldea, Sophie. Oui, mais là, le gagnant qui est inscrit ici, c'est le gagnant de Paldea. Non, c'est le gagnant de la Céleste. Eh ouais, mais tu vois, ça, t'as tout gâché encore. T'as tout gâché. Bah Most Bogarl, tu es une spoileuse. Allez, on est parti. On est parti. Bon, effectivement, évolution à Paldea, ça avait mal commencé, mais peut-être une surprise à la fin, étant donné qu'on a eu un World Record. Allez, Donald. Il y a un sabre. Il y a un sabre. Donc là, je rappelle que le petit signe en bas au milieu, c'est le signe des communes. Voilà. Jafar. Là, on arrive dans les peu communes juste après. Voilà. Peu communes. Ça, c'est peu communes. Voilà, le signe des peu communes. Jasper. Peu communes. Il y a 3 peu communes normalement. 4 peu communes normalement, pardon. Et là, c'est une rare. Le triangle. C'est une rare. Épée de vérité. Allez, doucement. Très rare. Okay. Super rare, en fait. SR. Super rare. La reine. Et c'est une commune. Malheureusement, commune holographique. Elle est magnifique quand même, c'est Aurore. Aurore en holographique. Allez, on est parti. Let's fucking go. Allez. Polochon de Ariel. Polochon. Enchevêtré. Alors, je rappelle que Lorcana, bah oui, bah on a oublié de le préciser. Et où est passée notre politesse? Parce qu'on l'a ouvert en live, mais on l'a pas expliqué en vidéo. Lorcana, c'est quoi, Sophie? Bah, c'est Disney. Mais oui, c'est Disney, évidemment, et Ravensburger. C'est un TCG, je n'ai jamais vu autant d'ampleur autour d'un TCG qu'avec Lorcana. Et le chapitre 2 m'a montré encore des trucs que je n'avais jamais vu, tellement les gens ont été fous autour du chapitre 2. Donc Lorcana, très très gros succès. Oh, ça commence par une très rare, ça veut dire que t'as sûrement une légendaire derrière. Tamao 1 déjà? Oh non, c'est encore une très rare, mais c'est très bien. Mulan. Et c'est une, malheureusement, peu commune en holo. De quoi? Bah non, mais tu nous as fait un suspense pour rien. Bah ça ouais, mais aussi. Sophie, dans suspense, y'a quoi? Y'a quoi? Y'a la peine. Quoi? Y'a le pence. Et on part sur le duc. Allez, tu veux détrôner le duc? On est parti. Maléfique. Maléfique. Aladdin. Mini, qui est très mignonne. On l'embrasse, évidemment, on embrasse toutes les mini du chat. Ça, c'était dans la petite sirène. Créature. Droit au but. Olaf. Olaf. Alors. Première rare, Madame Olaf de Tremaine. Deuxième rare, Maléfique. Maléfique, et c'est une peu commune quand même. N'écoute que moi.
en holo. Alors, je rappelle que la dernière carte où il y a le fameux QR code, ça forme un puzzle. C'est ce qu'on appelle les puzzles puzzle premier ouais, chapitre. Je vais essayer de le faire. Donc là, c'est Mickey Mouse. Et il y a le puzzle dans le chapitre 2 de Minnie. Vous inquiétez pas, on va ouvrir du chapitre 2 très rapidement. Jasmine. Elsa. Lueur réparatrice. Madame de garde-robe. Dans La Belle et la Bête. La fée clochette. N'écoute que moi, qu'on a eu en holo tout à l'heure. Panier de noix de coco. Ariel. Allez, première rare, Hadès. Deuxième... Oh, légendaire. Si c'est Stitch, c'est magnifique. Vas-y. Ah, c'est ça. Et non. Et non. C'est TK. C'est TK, évidemment. Sans cœur, c'est un dommage. Méchant. Et c'est une commune. Alors, attention. Dans l'Orcana, littéralement, tout vaut de l'argent. D'accord. Donc, la TK... Écoutez-moi bien, parce que va falloir vraiment que vous compreniez comment fonctionne l'Orcana. La TK... En non-holo, voilà, elle est à 6,50€ par exemple. D'accord. Donc là, c'est une carte à 6,50€ qui n'est même pas holo. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ouais. C'est pour dire que dans l'Orcana, vraiment, elle aurait été en holo, c'était 25€. Oui. C'est pour dire, ah ouais. Oui, ça monte très vite, Sophie. Et si t'as une enchantée, bon, bah tu te doutes bien que là, c'est encore plus fou, entre guillemets. Peter Pan. Mickey Mouse. Celle-ci, on Mickey Mouse en détective. Ouais, on pouvait l'avoir si vous... Si vous participiez au tournoi, ouais, effectivement. Au tournoi de boutique. D'ailleurs, nous, on va en faire une en Yamanote Shop pour les joueurs. N'hésitez pas à nous suivre Yamanote Shop sur Instagram. Elsa. Aladdin. Peu commune. Alors, attention. Les peu communes. Tamatoa. Grand-mère Tala. Encore Mickey Mouse, qui est très stylé comme ça. Allez, première rare, recommence. Deuxième, rare, Scar. Et c'est une commune. Zirgouflex. Ça, c'est dans La Petite Sirène. J'ai miqué. Le Duc. Maléfique. Aladdin. Minnie. Mes amis de l'au-delà. Hercule. Sans dessus dessous. Attention, on est dans les peu communes. Réponse. Encore une peu commune. Elsa, on enchaîne les princesses, c'est magnifique. Et voilà. Attention. Allez, la tabarde. Une rare. Une deuxième rare, Hadès, qui existe. Et. En enchanté. Droit au but. Avec le Mickey qui n'a pas une épée dans les mains, ouais. Ni une Keyblade, mais une paire de ciseaux. Exactement. Et que ce soit le chapitre 1 ou le chapitre 2, c'est de l'exclusivité. C'est des artworks, c'est pas juste des screens. Ouais, toi, One Piece ouais. 1, 2 et 3, ils avaient pris des screens de l'animé. Horrible. Là, il n'y a aucun screen, tout est créé uniquement pour le jeu. Ah, c'est cool, par contre. C'est de l'authentique. Elle est belle, celle-là. Timon, ce profil, ça paraît que je le vois, c'est moi. Timon. La fée clochette. Hercule. Allez, les peu communes. Lilo, qui est magnifique. Elle aussi. Bayana. Réflexion. Allez, là. Première rare. Tuons la bête. Deuxième, une rare. Partir là-bas. Et une commune. C'est Christophe. Le fameux Christophe. Des filles d'à côté. Il va falloir commencer à accélérer un peu. Horace. Et nous faire plaisir. Ouais. Travail parce qu'on est là pour se faire plaisir. J'aimais bien ce dessin animé là, Cusco. Pongo. Oui, Cusco est trop bien, vraiment. Hey. J'étais tellement petit quand c'est sorti. Hercule, non. Ah si. La bête est à moi. Ça date à Cusco, hein, Sophie. Hein. Attention. Ouais, hein. Mais c'est sorti après. N'oublie pas que t'es perché. Hein. Cendrillon. Première rare. Allez, miroir magique. Oh, très rare. Let's go, Guimauve. Et c'est une commune, malheureusement. Mégara. En holo. Et en non-holo, la fée clochette, c'est 12€. Parce qu'elle est beaucoup jouée. Enfin, en plus, elle est magnifique, il faut le dire. Donc vraiment, ça monte très vite. Pareil, hein, Cusco, oh, l'empereur pourri gâté, cool, c'est 6€ la carte. Hein. Oh, et c'est juste une rare. Hein. Et oui, ma petite Miss Big Girl, tout est surprenant. Ça va très très vite, hein, leur canard, hein, vraiment. Hein. Sans dessus dessous. Donald. Prêt pour la bagarre. Elsa. Attention. Première rare, le fou. Deuxième rare, Capitaine Crochet. Oh,
Oh, oh Rarolo, mais explosé. Oh, oh là là, elle est abîmée. Ah bon? Ouais, en bas. Non. Si, 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 regarde en bas. Regarde en bas. Je sais pas si t'arrives. Tu vois, là, on voit les petites rayures et tout, là. Ah, elle est explosée, la carte. Oh, elle est explosée. Alors, ça, ça, par contre... Non, ah, jusque-là, on n'a jamais eu vraiment de problème comme ça. Sur du Lorcana. Allez, on est parti. Megara. Polochon. Sergentil. Zirkouflex. Ah, Yzma. Yzma. Captain Crush. Oh, elle est belle, celle-là. Elle est stylée, j'aime ouais, bien. Elle est très belle. Oh, celle-là aussi, Chevalier Fou. Mais j'aime bien. Elle. Ah non, mais il y a des cartes vraiment... magnifique. Même elle, hein. Cendrillon. Allez, première rare. Ah, bah ça y est. Voilà, Cusco, c'est cool. Oh, une très rare, ce rêve bleu. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Ce rêve bleu, eh ben écoute, hey, ce rêve bleu, par exemple, pour vous dire vraiment que les cartes, même si elles n'en ont pas l'air, entre guillemets, bah, ça vaut quelque chose. On est sur 6 euros la carte non holo. Si elle était holo, c'était ah oui, 15 balles. Okay. Voilà. Bah là, c'est de là. Coup, c'est pour montrer à quel point ça. Ça t'en es où du Master Set de ce. Tu les as toutes les communes. Ça avance bien, ça avance bien, ça avance très bien. Ah non, mais Lorcana, c'est pas négligeable. C'est tout énormément joué en plus. Beaucoup, beaucoup de joueurs. Beaucoup de belles récompenses. Il y a un sabre. Très mauvais caractère. Mes les amis de l'au-delà. Oh, elle est trop Mouse. Belle, elle. Ouais. Pour une peu commune, elle est incroyable. Le premier Mickey Mouse. Tiens, la fée clochette. C'est pas celle-là. C'est l'autre. Simba. Oh, elle est belle. Droite au but. Allez, c'est bon, on est parti. Chaudron. La première rare. Libérée, délivrée. Vous avez la musique en tête. Délivrée. Oh, légendaire. Allez, Stitch. Oh, Elsa quand même, hein. Je crois qu'elle est pas mal aussi. Hein. Elsa en légendaire. Oh, mamie. Ah oui. Incroyable. Elsa en légendaire. Elsa en légendaire, c'est quelque chose aussi. Attention. Elsa en légendaire, c'est clairement pas négligeable. On est dans les cartes les plus chères. On est sur un prix pour la Elsa de 25 euros, s'il te plaît. En celle-là, hein. Ouais, en non brillante, hein. On est à 25 euros, les amis. En brillante, on est aux alentours des 50. Et la Maui, je vais aller regarder en holo. Comment on voit, elle est trop mignonne, Archimède. Bon, Maui, pas grand-chose. Christophe. Allez, Flying Rider. Œil des mois. C'est sorcière. Mickey Mouse. Trop stylé, un peu commune, celle-là. Hein. Allez, première rare. Juste à temps. Deuxième. Maui, t'as oui. Très rare, let's go. Oh, Robin des Bois, c'est beau ça, c'est très très beau ça. Et une commune malheureusement, Polochon. Le petit Polochon, évidemment qu'on apprécie quand même le Polochon. Mickey. Lorcana, vraiment c'est dingue. Mufasa. Pongo. Simba. La belle bête. Okay. Celle-là, j'adore. Allez, j'adore. Un peu commune. Ouais, elle est très très belle, elle est très stylée. Tigrou. Tigrou. Pascal. Allez, première rare. Docteur Facilier. Deuxième. Très rare encore, s'il te plaît. Ah, oh, oui. Très très belle. Très très bien. Et oh, bah, Yzma. Ariel et Yzma en, malheureusement, peu commune. C'est pas la meilleure de Yzma, hein, qui plus est. Je crois qu'elle en a une autre un petit peu plus sympa. L'Ariel, la je vous donne les prix à chaque fois. Prix minimum, on est sur 6 euros. Juste avec la très rare, qui est même pas brillante, tu as remboursé ton booster quand même, tu vois. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Bon, après, il faut les trouver, les boosters, et encore ouais, plus les first print. Mais... Le génie. Développe ton cerveau. Scar. Lueur réparatrice. Docteur Facilier. Déchiqueté. Déchiqueté. La oh, bête, tiens, elle est très belle. Ah, elle est cool, celle aussi. Hein. Allez, deuxième peu commune. Vaiana. Troisième Olaf. Très rare. Rare, pardon. Lilo qui est très mignonne. Très rare. Le génie. Très bien ça. C'est très très bien. Et une très rare. Oh, Capitaine Crochet. Capitaine Crochet, s'il vous plaît, en très rare, brillante qui plus est. C'est plutôt cool. Pas mal le booster là, celui-là. C'est plutôt cool. Ouais, elle est pas mal. En plus, elle est très belle. Allez, fleur au pétale d'or. Scar. Timon, elle est belle celle aussi, Timon. Docteur Facilier. Megara. Allumez les mèches. Allez, la bête est à moi. Œil des mois.
Non, Hercule. Maximus, Hercule aussi. Mm. Première rare, oh, Zeus, Hercule. Ouais, c'est que du Hercule. Soyez prête. Il dit ça, c'est lié à ses hyènes, non? Oh, Stitch. Stitch, elle est cool, celle-là. Ouais, elle est sympa. Stitch un peu commune. C'est pas elle la carte de guet, malheureusement, ouais, bah, mais elle est cool. Sympa. Elle est sympa. Vous doutez bien que la carte de guet est, comme par hasard, une légendaire. Ce qui fait qu'en non-holo, on est déjà à 60 euros. Aladdin. Peut-être que la chance va nous sourire. Merlin. Mini. Sébastien. Jette ça. Micro-regard. Allumez les mèches. Le chat de chez Shire. Belle. Allez. Tu m'as oublié. Première rare, Maui. Deuxième rare, toujours pistolet à plasma. Oh, une enchantée. C'est une enchantée? C'est une enchantée. J'en ai jamais vu, hein, ça va. C'est une enchantée. Vas-y. Il va d'un coup? Ouais. Oh, à l'envers! Le génie! Le génie! Ah, une enchantée, s'il vous plaît! Let's go! C'est le génie. Bon, dommage, génie. On l'a déjà, mais tant pis. De quoi? On l'a déjà, c'est dommage. On en a que deux et elle, on l'a. Mais c'est une carte à 170 euros quand donc, même. On va pas cracher. Donc, on ne crache jamais sur une carte à 170 euros. Oh là là, je suis très content quand même. Donc, si jamais ça vous intéresse de l'échanger contre une carte, n'hésitez pas à proposer. Moi, j'essaye de remplir les sets, évidemment. N'hésitez pas, contactez-moi, les amis. Envoyez-moi un message sur Instagram, MrBboy45YT. Par contre, une enchantée. Attends, c'est une toutes les 4 displays. Hein. Donc, les gars, là, c'est exceptionnel, cette display. Hein. C'est magnifique. Non, c'est une toutes les 3 displays, pardon. 3 displays. C'est magnifique. Allez, let's go. Bon, je l'ai sous-slivée et re-slivée, évidemment. Vous vous en doutez, mais elle est magnifique, on la voit très bien. Allez, booster suivant. Oh, Sophie, là, ça régale. Ah, ouais. Là, je te le dis, ma petite bichette, là, ça régale. Première fois que j'ouvre une enchantée, moi. Et peut-être la dernière fois, parce que c'est tellement dur. Et tu sais que la génie est une des pires, hein, quand en même. En plus, elle est à l'envers. Peter la génie Pan. Est une des pires. Hein. Ah, ouais. Oui, elle est à l'envers, c'est incroyable, ça, n'importe quoi. Pire. Personne ne la veut. C'est une des moins chères. Après, il y a encore... Ah, non, en vrai, il y a trois... Il y a Hades qui est moins cher, Aladdin et Mickey Mouse. C'est les trois moins chers encore en dessous. Tracassé. Bouclier de vertu. Or, ça, je te laisse prononcer si tu veux. En berlificotage. En berlificotage. Allez, première rare, Simba. Aurore. Très rare, Aurore, d'ailleurs. Olaf. Une très rare. Olaf, sorry. Madame. Allez, on est parti. Le duc. Bon, là, tu nous sors une légendaire holo. Ouais. Tu nous régales encore plus, hein, Sophie. Hein, t'as pas idée. Hein. Panier de noix de coco. Le prince Philippe. Première rare. Corinne Stitch. Deuxième rare. Cruella. J'ai hâte de voir sa série. Et une commune. Oh. Simba qui est très mignonne. Elle est cool. Simba qui est très mignonne. Je rappelle qu'il n'y a pas d'énergie parce qu'il n'y a pas de système de terrain ou d'énergie. Hein. Ça reste un jeu Disney. C'est assez facile en soi de comprendre les règles, mais c'est pas si évident que ça, ça reste, il y a ces petites particularités. Comme tout, hein. Et je rappelle que c'est le premier TCG qui a été aussi conçu pour être joué jusqu'à 4. Non mais ça c'est cool pas. Donc vous pouvez jouer l'un, un contre un, vous faire des Magic, alliances. En fait. Ouais, mais sauf que Magic Commander c'est venu des années après sa sortie. Là ça a été conçu pour dès le début. Le génie en très rare, très bien ça. Deuxième très rare, la plume en forme d'arête est une peu commune, panier de noix de coco. Bah, c'est pas mal, hein. C'est une belle display là. Une noix de coco. C'est une belle display. Hein. On est parti. Horace. Jasmine. Elsa. Très mauvais caractère. Bah, la bête quoi. Ça, c'est toi le matin. Oh non, t'abuses. C'est plus toi limite le matin. Je suis comme ça le matin. Le sorcier. Prince Eric. Jumba. Attention. Je vole. C'est la fête. C'est la fête, doucement. Une rare, première rare. Oh, Jago. Yago, pardon, excusez-moi. Oh, légendaire, super. Elle brille à ton ami. Vas-y, non, elle brille pas. Ah. Maléfique. C'est beau, ça. Je dis oui. Et une peu commune. Je dis oui pour Maléfique, qui est au prix de 45 euros. Ah oui, effectivement. 45 euros, non brillante, hein, Sophie. Hein. Non brillante, hein. Il est cool ce display-là. Il plaît. Là, j'aime bien. Là, t'aimes bien ouvrir du Disney. J'aime bien. Hein. J'aime bien. Maléfique. Allez, on est pour Aladdin.
Mini, Jetsam, Horace, Christophe, Donald. Donald. Très stylé comme ça. J'avoue, première fois qu'on l'a. Bah tiens, encore Donald. Rafiki. Allez, première rare. Maurice, la Belle et la Bête. Très rare, Aladdin. Très stylé quand même. Oh, une très rare. Qui brille. Très rare brille. Oh lolo, wow, par contre. Classe, la prestance, tu sens là que le Mickey, il est énervé. Mickey Mouse en très rare, c'est beau ça. En magicien. C'est très très beau ça. Dingo. C'est le bandit rusé. Il est cool. Mickey, hey, hey. Mickey un bandit. Mais on est où là? Miroir de la Bête. Oh, poêle à frire. Attiser les flammes. Anna. Mickey. Oh, première rare. Ariel, cool. Deuxième rare. Oh, Jafar. Elle est cool aussi, celle-là. Et une commune. Cimetière volé. Bah alors, le Mickey, il est en page 667, je pense. Ah ouais, bah allez, c'est bon. Et en holo, on est... Attention, est-ce que tu es prête? Ça peut choquer les plus grands d'entre vous. 5 euros. Quand même. Bah, 5 euros. Non, bah mais attends, ouais. 5 euros, c'est énorme pour une carte. Génie, bah oui. Mais... Ça rembourse. Aurore. Le booster, littéralement. Gentil. Oh, Stitch. Et Nicole, là, c'est le dernier. Non, avant-dernier booster. Isma. Allez. Prince Eric. Jasper. Aurore. Dingo. Elle est belle. Ouais, elle est belle. Première rare. Maléfique. Oh. Mais c'est incroyable. Oh, Ursula. C'est incroyable. Et une commune. Oh là là, je vais te dire la Ursula aussi. Elle est dans la première page. Bah oui, c'est une légendaire, hein, forcément. Hop. Là, on a du très lourd. 4 légendaires. On a du très lourd. Hein. Oh. Là, tout en haut, là, ouais, là. Elle, c'est elle. Bah ouais. Assoiffée de pouvoir. Ouais. C'est la moins chère. Non, j'ai menti. Il y a la Bête quand même qui est encore moins chère. On est sur 12,50€. Bah, c'est énorme. Mais c'est énorme. Display, non, mais Sophie, le display est remboursé 8 fois là. Cruella. Donald. C'est le dernier booster, les amis. Hein. Dingo. Dernier booster. Allez, fais-nous rêver. Hakuna Matata. Balai magique. Déchiqueté. Donald. Là, dis-toi que la moindre river, c'est 2 euros minimum. Ah ouais, non, c'est la folie. Hein. Oh. Rafiki. Allez, première rare. La pomme empoisonnée. Oh, très rare. Oh, Hans. Incroyable. Et une très rare Stitch. Yeah, c'est pas cool. Celle qu'on veut, mais elle est cool. Belle. Elle est très très cool, cette Stitch-là. Elle est très très cool. Allez, Stitch Rockstar, qui plus est. Alors, celle-là aussi, elle a une valeur, hein, la Stitch Rockstar. Attention, les amis. Hein. Attention, les amis et Sophie. Cette valeur peut en choquer plus d'un, comme on dit dans le milieu. 5 euros non brillante. Et en brillante, on est, écoute-moi bien, ma petite mince bagarre, tu vas être étonné. On est sûrement, je dirais, à 20 balles. 18. 18 voilà, euros. 18 premier prix. Et c'est un ami belge qui le vend. Donc... Incroyable. Voilà, ouais. Voilà ce qu'est l'Orcana, les amis. Voilà ce qu'est l'Orcana. Allez, sur ce magnifique tapis de Mickey Mouse, évidemment, on va vous montrer toutes les holos qu'on a eues. À savoir que la moindre holo, c'est entre 2 et 5 euros minimum. Donc, on est parti. Cimetière volé, Simba. Tout ça, c'est des peu communes. Hein. J'ai Stitch. Mis en ordre Stitch, Isma, Polochon. Enchevêtré. Megara. Aurore. Mes amis de l'au-delà, Zirguflex, Christophe. Allez, on commence les peu communes, droite au but. N'écoute que moi. Olaf. Panier de noix de coco. Kronks. Ariel. Hans. Maui. Capitaine Crochet. Elle est belle, celle-là, j'aime bien. Mickey Mouse, en très rare. Rivers, et là, on enchaîne les légendaires, et là, c'est des beaux prix, hein. C'est des minimum 20 euros la plupart du temps, voire 30, 40 et 60, 50, 60. Stitch et évidemment Maléfique, ouais, 50 euros, ouais. Et le génie. Le génie. Ouais. Là, la chance nous gâte beaucoup pour Noël. On a ouvert pour moins que ça. Hein. Et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, si la chance pouvait rester encore un petit peu de temps parmi nous. On vous fait d'énormes bisous. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire pour participer au concours. Pour gagner une petite enveloppe qui sera autour de l'Orcana. On vous fait des gros bisous.
À bientôt tout le monde. Ciao. Bye bye.